Quand je vais monter un resto, je pense que ça va cartonner. Compétition, parce que je suis un compétiteur, j'aime bien les challenges, j'aime bien être dans l'arène et je pense que c'est là où tout se joue. Handstand walk, c'est un peu moins cardio. Quand tu commences à saturer, bah, c'est musculaire, mais tu peux rien faire, mais le cardio ça va. Alors que burpee, quand tu commences à être dans le rouge, dans les burpees, ça peut être très vite pénible. Run à 100%, swim. Je laisse ça aux gens qui flottent. Moi, je flotte pas, j'ai pas ces compétences-là, donc je nage comme je peux. Je m'entraîne même plus en natation en fait, parce que j'ai laissé tomber. Que je m'entraîne ou pas, je garde le même niveau, donc autant m'entraîner sur autre chose. Four time, je préfère voir la tâche effectuée. Plutôt qu'un AMRAP. Un AMRAP c'est monotone, tu prends un rythme que tu essayes de tenir. Four time ça me botte plus. En ce moment c'est raclette vegan. Tu vois, donc on a du faux fromage, on a de la charcuterie vegan. Tu vois, donc je découvre des trucs et je vais même encore plus loin, je fais raclette vegan. Et avec des produits africains dedans, avec du manioc en plus, donc je fais des trucs de malade. Quand je vais monter un resto, je pense que ça va cartonner. Je suis plus soir. Le matin, là on va peut-être parler d'entraînement. Le matin c'est dur, c'est un peu plus tranquille. Quand je m'entraîne, j'aime bien m'entraîner le soir et même de manière générale, le soir je suis un peu plus réveillé. Dumbbell, j'aime bien les dumbbells quand ça commence à être bien bien lourd. J'aime les deux, mais gym, j'aime un peu plus peut-être. Ah bah Chambéry, nous entre Savoie et Haute-Savoie, c'est un petit peu la guéguerre. Donc je suis à Chambéry depuis 2009, donc Chambéry. Tout va dépendre des moments. Il y a des moments où j'aime bien être un peu plus dans le cardio parce que j'ai envie de transpirer, j'ai envie de sentir mon corps en mouvement. Et des fois, bah, je suis plus force, donc j'ai envie d'être posé, de gérer de la force, m'énerver un petit peu. Alors qu'en cardio, on ne s'énerve pas. En cardio, justement, on essaye d'être le plus relâché possible, tenir un effort dans la durée. Alors que quand c'est de la force, bah, on peut s'énerver, on peut crier, on met de la musique qui nous énerve, tu vois. Donc, ça dépend. Bah, vegan, malheureusement. Bah maintenant Fraser il a tiré sa révérence donc Medeiros, j'aime bien Medeiros, j'aime bien l'état d'esprit qu'il a. C'est un petit jeune en plus, il est discret donc j'aime bien son approche, son humilité donc j'aimerais voir dans le futur ce que ça va donner. Ah ça c'est une question pour les connaisseurs. 2013 j'ai regardé que des replays parce que du coup je faisais pas encore de crossfit. Ça a bien évolué donc je pense qu'on va vers une évolution qui est à peu près saine. Mais ouais 2020. Ouais.